Ouais, moi c'est Chérie. Avant, j'étais prof de yoga. J'étais végane, proche de la nature, des bébés animaux. J'avais tout ça, quoi. J'avais une vie saine. Mais chiante, hein ! Je me présente. Moi, c'est Tara. Ah, je n'ai absolument rien à voir avec Chérie, hein, qui pense qu'à s'amuser. Moi, je veux de l'ordre et de l'organisation. J'ai géré des centaines de personnes dans ma vie. Alors, le boulot de bras droit, forcément, il est pour moi. Je ne vois personne d'autre aux alentours qui pourrait faire ce job à part moi. Alors, l'autre machine, elle peut retourner ses fleurs de lotus, hein, parce que là, obligatoirement, il n'y a pas de compétition. C'est moi. Machine, il est où mon verre? Bon, depuis... Je me rattrape. Il n'y a rien de tel que de buter du marcheur. C'est pour ça que Negan m'a la botte. On est pareil. Sans pitié. Salut. Ah, il faut que je me présente? Bah, Dwight. Ah, mais moi, j'ai aucune idée de ce que je fous là, hein. Moi, je fais des munitions à la base. Apparemment, je suis là pour ça et ça intéresse Negan. Je m'en fous, moi, de ce job, hein. Moi, je veux juste qu'on me foute la paix. Non, et puis, si j'ai dit oui, c'est parce que Tara, elle est canon. Et si je fais mes preuves, bah, peut-être que j'aurai une chance avec elle. Lieutenant John au rapport. Enfin, ex-lieutenant. Ça, c'était avant toute cette merde. Et dans mon métier de flic, j'en ai vu des choses moches. Mais maintenant, c'est pire. À l'époque, j'étais habitué, mais là, ça devient dur. Et on m'a proposé, quoi, à plusieurs d'entre nous, d'être bras droit de Negan. C'est une bonne place. On a le droit à des vivres en plus, des femmes, un appartement plus grand. C'est bon à prendre. Et l'autre jour, je suis parti en mission et j'ai entendu le cri d'une femme. Je me suis dit, peut-être une nénette de 20 ans, 30 ans, j'aurais pu prendre mon droit de préemption. Et bon, c'était une vieille dame. Mais bon, j'ai fait le métier, quoi. Bon, je voulais juste ravitailler un peu. Au QG, il n'y avait plus d'alcool. Mais bon, quand on a vu les marcheurs arriver, c'était l'occasion de s'amuser un peu. Non, mais là, de faire de lotus, là. C'est pas un jeu. C'est sérieux. Et après, j'ai vu ces trois petites gamines. L'une d'elles, elle me faisait penser à ma fille. À l'époque, c'est moi-même qui ai dû la tuer. Et donc, ça y est, une nouvelle fois, je l'ai tuée, quoi. J'ai fait le boulot. Je l'ai délivrée. On était appelé à un rendez-vous par Negan, on est allé, hein, sympa. Et là on arrive, on voit quoi? Le John. Alors il a cru quoi? Se faire un marcheur tout seul? Avec des gosses en prime? Il a cru qu'il allait quoi? Avoir la gloire? Mais il rigole, lui, il croit qu'il va me piquer mon job. La gloire, c'est pour moi les mecs, moi. Bah ouais, j'essaie toujours d'être dans le champ de vision de Tara. Bah on sait jamais, hein, c'est comme ça que je vais s'entremêler au combat. Ah bon, heureusement que Constance est toujours là. Constance, c'est mon revolver. Toujours près de moi. Une merveille. Par contre, Dwight, alors j'ai rien contre lui, hein. Mais à chaque fois que je tourne la tête, il est derrière moi. Un peu collant quand même, hein. Sympa, mais collant. J'ai beau avoir l'habitude de défoncer les marcheurs, quand j'ai vu les autres débarquer, ça m'a bien aidé. Parce qu'après les trois gamines, ça m'a vraiment coupé l'envie de... Mais bon, j'ai fait le taf encore, hein. Je suis bon qu'à ça, à fracasser des crânes. J'ai chopé une petite marcheuse, paf, j'ai adoré, j'avais l'impression que c'était mes doigts qui rentraient dans ses entrailles. J'adore ça, je kiffe le bruit que ça fait quand ça fait... Alors, je crois que celui que j'ai eu, c'était un de mes employés. Je suis pas vraiment sûre, en même temps ils se ressemblent tous, hein, alors... Pff. Non, quoi? Non, pas les marcheurs, les employés. Ouais, je veux pas abîmer Constance. Alors du coup, j'utilise d'autres armes. Mais bon, je suis pas à l'aise avec. Ouais, puis c'est salissant, quoi, oh là là. C'est ça! Moi, je peux que compter sur ma masse. Je l'ai appelée Gertrude. Elle tue en un seul coup. Bam! Crâne fracassé. C'est pas comme Negan, avec sa batte de baseball. Et le fil barbelé, c'est vraiment atroce. Aucune pitié, quoi. Moi, au moins, ma masse, elle fait preuve d'humanité. Ça va, j'ai réussi à pas trop me salir.
Par contre, je crois que j'ai une écharde. Et ça fait hyper mal. Mais regardez, là, vous la voyez pas? Ça fait mal. 3 marcheurs aujourd'hui. Ouais. Je tiens les comptes. Bah ouais, ordre, organisation. Bon, par contre, la technologie me manque. Parce que voilà, en quoi je suis réduite. Mais bon. Même limite, même mes employés me manquent aussi. Ouais, ouais, je crois, ouais. Ah. Au bout de cerveau, au bout de faux. Oh. Au bout de cerveau. Ah, et puis, tuer des vivants, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Même les morts, hein, ça me fatigue. Ah, les marcheurs, j'en ai vraiment assez. Et j'ai plus l'âge pour ces conneries, quoi. Moi, j'ai un rêve. Trouver une île déserte, avoir quelques femmes et des mecs sympas, et pêcher. Pêcher. C'est mon rêve. Sérieux? Je ne veux pas penser à la retraite? Bonne nouvelle, ça. Concurrence en moins. Et puis la survie, c'est comme le business, hein. Pas de place pour les amateurs. Oh. Une île? Mais il a pété un plomb. Il dit, y a rien là-haut. Pas d'alcool, y a pas de tabac, on peut pas s'éclater, y a même pas de marcheurs. Moi, je viens de la nature, c'est pas pour y retourner. Dwight, ouais. C'est un mec sympa, quoi. Mais bon, il est comme moi, il fait son travail à contre-cœur. Bientôt, je vais lui proposer mon rêve. Je pense qu'il me suivra. Et comme il a certains talents, ça pourrait être utile. On sait jamais. Il faut prévoir. La prévisible. Mais ça fait mal, mais doucement! Vous vous rendez pas compte? Eh, ça tourne! Eh, coupez ça, hein! Ah! Je veux pas que tu revoies ça! Ça fait mal, là!